C'est tout le monde, c'est Zolutin, on se retrouve sur Limbo pour la sixième partie, il me semble. Ouais, la sixième. Alors, faut savoir que je n'ai pas modifié encore le son, je sais pas si le son va être mieux ou pas, j'ai pas regardé ça. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, on était plus dans tout ce qui était, gravitationnel. Apesanteur, gravitation, ouais, un peu tout ça. Et puis là, on s'était laissé devant une genre de tyrolienne. Et puis on va voir ce que c'est. Alors sans plus tarder, on va commencer. Alors peut-être, je dis bien peut-être le dernier épisode. Je ne sais pas. Peut-être le dernier épisode, peut-être pas. J'hésitais à vous faire un épisode de 40 minutes, pour une fois. Mais je me suis dit que non, parce que je sais que souvent ça décroche pas mal de personnes, les épisodes de 40 minutes. Donc du coup, on va rester sur une, on va rester sur 20 minutes. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, là, on a un bouton pour nous lever en avant. Ok, quel intérêt, quel intérêt, quel intérêt. Oh oui. Oh oui. Oh putain, ouais. Attends, est-ce qu'elle tombe? Non. Reviens là, tyrolienne. Oh oui, c'est une tyrolienne. C'est magique, il me semblait. Et d'ailleurs, on peut pas revenir en arrière. Donc c'est bien une énigme ici. Attendez, genre, si on fait... Non, 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 non. Genre ça. Et qu'on se balance, attendez. Vous savez comment on avait déjà fait une fois. Allez, on se balance, on se balance, on se balance. Non, c'était l'autre clic. Du coup, j'ai ralenti. Allez, on balance. On balance, on saute ici. On active ça. Elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Non, on va pas revenir. Geronimo! Ça faisait longtemps. C'était profond. Une fois de plus, ils s'envoleront vers d'autres cieux. C'est un peu ça. Non. Fail. Pas ça que je voulais faire. Fatigué, bordel. Les vacances. La fatigue. Alors, par contre, est-ce que je peux pas genre... Ouais, donc ça, je peux. Alors, ne pas lâcher. Alors, je pense que c'est ça, hein. Je vois pas que ça pourrait être d'autre. Hein. Faut juste que j'arrive à me dépêcher, ou je sais pas. Non, putain. C'est pas ça. Ah, j'ai horreur, là, il n'y a pas 36 000 points de visibilité, quoi, c'est... Est-ce que je peux... Ah, voilà, ok. Attrape-la. D'accord, ok, en fait, c'est ça. Faut le faire, ok. Je suis parti totalement à côté de la plaque, quoi. En fait, faut l'activer, de remonter. Et quand elle aura pris assez de vitesse, maintenant, faut le dire de redescendre. Et du coup, elle va stopper et repartir dans l'autre sens. Et youhou, tyrolienne. Non. Je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu trop tard. La 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 la. C'était fou comme piège. Attrape! Oui! Saute! Oui! Oh, oh! De retour sur les toits! Ouf! Hein?
J'ai pas compris. Une corde. J'ai vu une corde, mais what the fuck, c'est hyper chaud. What the fuck? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'on doit se laisser glisser? Non. Ouais. Attrape la corde. What? Est-ce qu'il y a moyen que je ne glisse pas? D'accord, il y a une ficelle là. D'accord, elle peut nous servir parce que j'arrive pas à l'atteindre. Je comprends pas à quoi elle sert cette scie. Non, j'arrive pas à l'atteindre. Je peux pas l'atteindre. Ouais. Là, on est en train d'enchaîner les morts, c'est tout ce qu'on gagne. Je peux rien faire d'autre. Hein. Je peux pas m'arrêter sur le toit. Alors, est-ce que la ciel va finir par monter jusqu'en haut ou... Il faut juste l'attendre. Ben, je l'attends dans ce cas-là. Ben, je peux l'attendre, hein. Mais je pense pas qu'elle monte, hein. Parce que d'accord, je peux rien faire, je peux pas monter en haut, je peux pas attraper, je peux rien, ouais, je peux que... Ouais, c'est ça qui fait fonctionner, c'est... Je sais pas, il doit y avoir une plaque ou autre. Je pourrais pas m'accrocher au panneau, par exemple. Genre... Non. Non. Je peux pas. Je peux pas. Il y a un truc que je dois louper sur la descente, un truc de quoi m'accrocher pour pas tomber dans le vide, mais je vois pas quoi. Là, je vous ferai sûrement un accéléré parce que je ne vois pas en fait ce que je dois faire en fait. Non, je ne comprends pas. Je ne vois pas.
J'irai peut-être même à la rigueur me pomper la solution sur internet parce que je trouve pas. Je cherche, hein, mais. Mais non. Ah, cette corde, elle m'énerve. Mais y a aucun moyen de s'accrocher nulle part. Écoutez, Ellipse, le temps que je trouve la solution, Ah, ça me fait chier de tricher en fait, mais je vous aurais mis sûrement un accéléré, vous. Mais moi, ça va bientôt 10 minutes que je suis dessus. Et je trouve pas quoi. Là, je vous fais peut-être une ellipse, le temps que j'essaie de trouver comment faire. Ouais, écoutez, une ellipse, le temps que je trouve le nombre de fois, enfin comment faire, si je trouve. Ne vous en faites pas, vous aurez quand même le nombre de morts. Voilà. Ellipse, oulala, ma voix qui part en quoi? En couille, pardon. Ellipse! Re tout le monde, voilà donc j'ai honteusement regardé la solution parce que j'en ai marre. Pour être franc avec vous, ça fait 16 minutes. 16 minutes d'essai. C'est pour ça que vous avez sûrement vu au nombre de morts qui se trouvent en haut à gauche. Ça fait 16 minutes que je suis sur cette énigme et je n'y arrive pas. J'ai regardé la solution et je me suis senti con. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il suffit de descendre là. Et là, la flèche. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et là en fait faut faire un peu un objet. YOLO! Bon. Mais en fait c'est tout con. C'est juste ça qu'il fallait faire, mais pour moi la flèche ça voulait dire qu'il fallait aller à droite. Non, c'est l'autre clic. On va voir. C'est l'autre clic qu'il faut que je fasse. Comment qu'il faut que je me dirige? Attendez. Je fais ça. Oh merde, ok, donc c'est avec les. Oh putain, c'est tout ça à gauche. Ah non, attendez, non, comme ça. Ah, oh putain, c'est une horreur. Attendez, je vais tourner le clavier, j'y arrive pas sinon. Attendez, faut que je tourne le clavier, vous imaginez à quel point c'est. Faut que je tourne le clavier. Hop, hop, active, non, active-le. Oh non. Non, mais non, sans déconner. Ok, j'ai triché, je suis d'accord. Ça va être drôle, ça va être drôle. Aïe. Ok. Vite, vite. Non, c'est l'autre. Oh. Non, c'est l'autre. Ah, c'est une horreur cette méthode de.
Ok, on descend là. À savoir qu'on est à peu près à 15 minutes de la fin. À peu près, hein. Je dis bien à peu près à 15 minutes de la fin. Donc du coup, bah, c'est le dernier épisode, tout simplement. C'est le dernier épisode, déjà. Waouh. Déjà le dernier épisode. Waouh. Ah, je pense qu'il faut nous sauter et l'activer. J'ai vu le truc, l'espace de caisse là derrière. Oh non. Est-ce qu'on peut mourir? On meurt. Génial. Donc en plus c'est chronométré. Génial, 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 génial. Oh, j'aime pas ça du tout. Allez, ok, on active ça. Alors on va à peine on va pousser ça, on va réactiver tout de suite derrière. Direct, hop là, tac, ça on peut enchaîner. Vite, tac, on enchaîne. Cours, 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 ok, ça passe. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Oh merde! Je raconte tout. Ok, je raconte de là. Ok. Voilà, je pense que c'est pas bon.
activer, fallait activer, fallait activer. Quand je sens que je vais repartir sur le fond. Ok, il faut faire double action. Attends. Non. Voilà. Un petit peu plus tard. Non, ok, il l'ignore. Il y a toujours de l'électricité là-bas. Pourquoi il mettrait un panneau dans ce cas-là? Ça ne servirait à rien. Je pense qu'il faut sauter en fait dans le vide. Et après, avec l'inversion, on va avoir le temps. Que c'est un truc comme ça, je pense. Ça va passer. Vraiment que ça passe à un poil de cul. Sentez-vous aussi la fin de la vidéo maintenant là? Et finir sur la finale la fois prochaine? Moi je la sens venir. Hein. Une ellipse histoire que je retrouve la solution parce que je... Ok, donc me revoilà, j'ai regardé à nouveau la solution. Ouais, c'était vraiment les deux énigmes les plus dures. Là, pour le coup, ok. Et faut savoir une chose. Une chose très très importante. Je vais vous montrer. Vous voyez l'espèce de barrière là qui m'empêche de passer là? Juste là, le long trait là. Vous voyez là? Et bien, c'est la fin du jeu. Nous y sommes. Nous sommes devant la fin du jeu. La fin du jeu de Limbo. Nous y sommes enfin. Après 6 épisodes. Et un épisode qui va me péter le montage. Nous sommes enfin à la fin du jeu. Alors en fait, comment faut faire? En fait, c'est assez chaud quoi. Sauter genre là. Attends que... Ouais. Je sais pas si vous avez compris. Il faut genre... Attends. Non, pas assez vite.
Alors. Ok, donc on peut bouger. Waouh! Ce ralenti était juste magnifique. J'ai cru que Limbo allait mourir. Ce qui m'a déclenché totalement toute une mécanique, tout un mécanisme dans ma tête sur comment se résume l'histoire. Mais on peut continuer, donc on va continuer ensemble. On est revenu dans les bois, comme vous vous souvenez au tout début du premier épisode. Ce serait. Alors, est-ce que ce serait sa femme qui cherche depuis si longtemps? Je me tais, cinématique. Waouh! 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 Cette fin! Waouh! Mais cette fin! J'en trouve pas les mots. Je pense qu'on peut tellement l'interpréter de millions de façons. Cette fin, vous-même, vous avez votre propre idée d'argumentation. C'est pas fini. L'écran menu était sur la fin du jeu depuis le début. Waouh! 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 Oh, génial le jeu! Génial! Je ne l'ai jamais fini Limbo, je ne l'ai jamais fini ma vie. Et pourtant j'ai essayé maintes et maintes fois. J'avoue que j'ai triché sur les deux fois. Deux fois j'ai triché. J'avoue que je. Mais j'en suis là à 40 minutes de vidéo moi pour celle-là. Et je dois vous sortir un épisode de 20 minutes, donc je dois vous réduire la vidéo de 20 minutes. Donc imaginez le montage que ça doit me faire déjà. Waouh. Bah écoutez, moi mon impression, je pense qu'en fait Limbo a fait tout le chemin en fait pour retrouver sa femme, ou sa compagne, ou sa copine, ou je sais pas. Et en fait quand il s'est pris la glace, vous savez, au ralenti, j'ai cru qu'il mourait en fait pour dire en fait que je la retrouverais jamais. Et que en fin de compte tout le monde en fait autour est merdique quoi. Entre toutes les choses qui devaient le tuer, entre ces autres bonhommes qui voulaient le tuer, etc. C'était vraiment waouh. Il y a plein de fins qui peuvent être entraînées. C'est vraiment, c'est pas une fin vraiment où on sait ce qui se passe. Voilà, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants ou autre. Non, on te laisse comme ça sur la fin et on te laisse imaginer la suite. C'est extra, je trouve. Je trouve ça juste extraordinaire. C'est waouh. On peut penser plein de choses après au niveau aussi de la. Quand on retrouve avec la fille, on pourrait penser que voilà, après ils vont refaire leur vie tranquille, il a retrouvé sa copine. D'un autre côté, tu dis oui, mais pourquoi il l'a retrouvée? Qu'est-ce qui. Pourquoi? Et pourquoi il était perdu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a plein de questions qui se posent. Moi je pense que Limbo en fait cherchait sa copine. Après avoir traversé tout ça, il a fini par la retrouver.
et que voilà, quoi, ils sont contents de se retrouver ensemble, même si je pense qu'il y a plein d'autres idées. Je vous laisse faire votre propre idée à vous. Mais dans tous les cas, c'était vraiment un super bon jeu. Même s'il était fait, développé et fait par un studio indépendant, c'est un petit jeu indé. Franchement, ça vaudrait presque un vrai jeu. Je pense sincèrement que ça vaudrait un vrai jeu et pas un indépendant, parce qu'il est vraiment tip top génial. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Waouh. Voilà. Bref, sur ce, c'était The Luis. Merci d'avoir regardé la fin de Limbo. On se retrouve dans quelques jours sûrement pour voir le bonus, parce qu'il existe un petit bonus, c'est un petit passage secret dans Limbo. Ça, je l'ai vite fait vu en cherchant la solution, et j'ai vu que vite fait voir passer une vidéo là-dessus. Donc du coup, je sortirai sûrement le bonus dans 2 jours, évidemment. Et puis, pensez à laisser un petit like du coup pour le grand montage que je vais faire, donc de réduire la vidéo de 20 minutes. Pensez également à laisser un like, du coup, deuxième raison de laisser un like, pour tous les développeurs et tous ceux qui ont créé cette map, enfin cette map, non, ce jeu juste énorme, si vous avez aimé cette fin également. Et commentez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, être la fin de ce jeu. Et puis, pensez à vous abonner si vous découvrez la chaîne, et n'hésitez surtout pas à partager la chaîne. Voilà. Sur ce, c'était The Luis, merci de regarder cet épisode. On se retrouve très bientôt pour Limbo, le bonus. Ciao.